C'est comment résoudre ces problèmes. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir, et notamment vous, peut-être ministre de l'Intérieur, là, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Écoutez, ministre de l'Intérieur, la première mesure. La loi existe. Il faut, quand ils disent une politique de reconquête républicaine, les mots sont exacts, mais eux ne pratiquent pas les actes qu'il y a derrière. Nous allons mettre des actes derrière le mot reconquête républicaine. C'est-à-dire que nous allons autoriser avec des instructions claires la police à rentrer dans ces quartiers. La police, nos services de renseignement savent très bien qui sont les voyous, qui sont les racailles, qui sont les têtes de gondole mafieuses dans ces quartiers, qui sont les salafistes. Et vous pensez que Christophe Castaner ne fait pas le job alors ? Christophe Castaner ne fait pas le job. Christophe Castaner n'est même pas à la hauteur d'un stagiaire. Il ne fait pas le job. Il est totalement inepte. Il n'est pas à sa place. C'est une erreur de casting totale. Pour être un ministre de l'Intérieur dans les conditions dans lesquelles est la France aujourd'hui, il faut des ordres clairs, il faut une personnalité forte, il faut que les forces de l'ordre se sentent soutenues moralement, il faut qu'il y ait des instructions pour aller chercher les malfrats, les voyous, les prêcheurs de haine là où ils sont. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura résolu au moins les trois quarts du problème. Mais il faut la volonté. Il faut la volonté politique. Or, le problème aujourd'hui, c'est un logiciel idéologique qui considère que la population, quelle qu'elle soit, même les voyous, même les malfrats qui sont dans ces cités, c'est en réalité les juifs persécutés des années 30. Il y a une forme de dystérèse, d'effet de mémoire du totalitarisme chez nos élites qui considèrent que lorsqu'on touche à la diversité, quand bien même ce serait une diversité délinquante, eh bien, il y a là une forme de relent totalitaire qui nous viendrait des années 30. D'où l'impunité totale dans laquelle se trouvent ces voyous dans ces quartiers. Ils le savent, ils en profitent et ils avancent leurs pions pendant que nous sommes, en tout cas nos élites, sont engoncées dans un logiciel idéologique mortifère qui tue la France à petit feu.